Pour nous comprendre, il faut nous suivre, rester connecté sur nos différents canaux, c'est-à-dire WhatsApp, Telegram, surtout Telegram, parce que Telegram, c'est un groupe qui bouge à merveille, à 100%. C'est là où il y a le plus d'informations. Également, sur la chaîne YouTube, vous devez vous abonner, cocher la cloche pour ne pas manquer toutes les publications qui viendront, parce que tous les jours, c'est minimum 10 publications, souvent 6. Ça dépend de la force que nous avons, parce que c'est pas du tout évident de publier du contenu. Comme vous voyez là, c'est pas du tout évident. Donc les gars, abonnez-vous pour ne pas manquer ces différents projets que nous partageons, parce que ce sont des projets émergents. Et là, je viens partager avec vous ce soir le projet Egyptian, attendez, Egyptian, je vais coller le lien d'affiliation. Je suis pas là, je suis trop sur lettre, je colle le lien d'affiliation. Je suis trop sur lettre. Je colle le lien d'affiliation et j'entre. Je valide. Voilà. Je valide. Donc voici le token en question. Voilà. Donc pour le airdrop, on doit réclamer 1000 Egyptian Dogecoin. Donc c'est les Egyptian Dogecoin ici qu'il faut réclamer. Là, nous avons encore combien de jours? Nous avons encore 67 jours. Donc c'est où il faut réclamer là. Et l'écosystème est là. Voici où il va falloir coller notre lien d'affiliation, mais il faudra être en Binance Smart Chain. Venez changer là, Binance Smart Chain directement. Binance Smart Chain, c'est fait. Voilà, voici où je vais venir coller mon lien d'affiliation. Voilà les différentes informations. Donc, si vous voulez plus d'informations, il sera listé sur PancakeSwap le 30 octobre, donc sur la plateforme d'échange. Il sera échangeable à partir du 30 octobre, parce que l'airdrop ici a commencé depuis le 28 juin. Donc ça dure déjà. Donc ça va finir le 20, ça va finir le 30 octobre. Et le 30 octobre, il sera échangeable sur PancakeSwap. Donc voilà où on va venir récupérer l'adresse du smart contract. Bon, on va donc passer à l'action. On va venir donc réclamer. On va donc venir cliquer ici. On va cliquer là, c'est fait. On clique là, c'est fait. C'est fait. Contrat, appel de contrat intelligent. Oui, ici, ça nous fait 23. On va négocier ça même à 18. On négocie, voici les frais de gaz ici. Voilà, on va négocier ça à 18. Pour négocier les frais, venez là. Et il faut faire très attention, parce que si vous négociez encore trop trop bas, vous risquerez de ne pas avoir. Je vais mettre ça là-bas, 9. Voilà, 9. Voilà, c'est bon. Sauvegarder, là je suis à 15, c'est bon. Là je suis à 15, ça va. Je vais maintenant cliquer ici sur approuver. Là je viens là sur approuver, c'est fait. Approuver, ok. Cliquer sur approuver. Une fois que j'ai cliqué là-bas, je vais aller chercher maintenant mon lien du BSCAN. Je viens là, je copie mon BSCAN. Je copie mon BSCAN, je ressors là. Je viens ici, là. Vous voyez, actuellement, il est en transfert. Le transfert est en cours. Ce n'est pas encore parti. Il y a un transfert qui est encore en cours. Il y a deux transferts en cours qui n'ont pas encore été débités du compte. Donc, pour là, je reviens. J'ai à copier l'adresse du smart contract. Non, j'ai copié derrière mon adresse BSCAN. Je viens chercher mon lien d'affiliation ici. Je viens chercher mon lien d'affiliation, c'est fait. Je vais linker cela. Ok, j'ai pas mis le temps de copier mon lien d'affiliation. Donc, je dois être en Binance Smart Chain toujours. Binance Smart Chain. Je colle mon lien d'affiliation et je link. Voilà. Ça va. Maintenant, je viens ici. Plus bas. Voici l'adresse du smart contract ici. Le BSCAN est ici en bas. Voilà. Je vais l'ouvrir tout de suite. Hein. Je viens ici. On va voir le nombre de holders déjà en. Le nombre de holders déjà ici. Voilà, le nombre de holders, tout ça. Donc, voici la date de smart contract que j'ai copié. Une fois que j'ai copié, je rentre là, je reviens ici au niveau de portefeuille, je reviens là, je vais coller ici directement. Il n'est pas encore répertorié, jeton ajouté. Une fois que je suis ici, je viendrai juste changer l'Ethereum en Binance Smart Chain et je viendrai coller directement pour avoir. Non, symbole décimal et c'est fini. Là, je viens cliquer sur Ethereum pour changer. Attendez, voilà.
C'est fait, je colle directement l'adresse de ma contrat. Vous voyez, j'ai le nom ici, là, j'ai le symbole et la décimale là. Une fois que j'ai toutes ces informations là, je vais maintenant cliquer sur terminer. Bon, les gars, suivez la procédure telle que je vous présente là. Ne cherchez pas à réfléchir. Vu que le paiement est encore en cours, on n'a pas encore nos mails. Parce que pour vérifier si le paiement est encore en cours, on va revenir là. Vu que j'ai négocié les frais, ouais, j'ai deux paiements en cours là. J'ai des paiements en cours. Ce sont des paiements qui sont passés parce que j'ai fait beaucoup de transactions. Donc là, il garde juste les transactions pour quelques jours. Donc les gars, on va attendre que le paiement soit effectué. On va attendre que le paiement soit effectué. Bon, là, j'ai à copier mon lien. Je vais encore copier une fois de plus mon lien. Vous recevoir ici, j'ai copié mon lien encore. Je copie mon lien pour devoir partager cela. Pour devoir partager cela au sein de la communauté. Je viens ici. Je vais coller mon lien là directement aussi également. Ça va, ok, ça va. J'ai copié mon lien. Non, le temps que ça charge un peu, sans télécharger. J'ai copié mon lien. Ben, je vois que pour que ce soit vraiment rapide, il ne faut pas négocier. Donc, si vous voulez attendre, vous pouvez négocier. Donc, le conseil que je donne, c'est de ne pas négocier très très bas. Donc, si vous êtes pressé, vous ne négociez pas. Mais si vous pouvez attendre, vous négociez. Parce que ça peut prendre plus de temps. J'ai copié maintenant l'adresse. Copie l'adresse. Attends, il n'a pas copié ou pas? Essayez d'en copier. On va coller là. On va générer. Copier. 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 Voilà. Copier. Et c'est ce qu'il a copié l'adresse. Ok, c'est bon. Donc, les gars, abonnez-vous. Partagez la vidéo. Pour ne pas manquer les différentes publications. Il y a encore deux autres airdrops qui arrivent tout à l'heure là. Donc, restez connectés, les gars. C'est du lourd qui arrive.